canadiens en particulier ont pu débarquer en Normandie, eh bien, ils le doivent au courage d'autres qui étaient là. L'abnégation, la foi, la liberté des soldats d'Europe et du monde aujourd'hui, dont Madame le Consul, les soldats de Pologne, les aviateurs de Pologne. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. En votre présence et en présence de toutes les autorités civiles et militaires. Je vous remercie, Madame le Maire, et je vous remercie votre conseil municipal pour l'organisation de cette cérémonie du souvenir, mais aussi qui sera un témoignage, et vous l'avez dit, vis-à-vis des jeunes générations pour l'avenir. Je remercie aussi l'association rhodanienne, donc pour le souvenir aérien, et le groupement Antoine de Saint-Exupéry des vieilles piches. Le 1er juin, vous l'avez dit, un aviateur polonais était abattu. Et puis ensuite, comme ce n'était pas suffisant, il a fallu que les aléas climatiques s'en mêlent et qu'un orage fasse que des aviateurs polonais qui avaient combattu pendant toute la guerre et qui souhaitaient bien sûr retrouver leur famille, donc périssent dans le cadre d'un crash dû à un